Enora Malagré Tabou. Ce jeudi 7 septembre, sur Instagram, elle a poussé un coup de gueule contre les propos désobligeants qu'elle reçoit. Elle a aussi demandé à ses abonnés de l'aider à y mettre fin. Enora Malagré a longtemps été une figure de l'émission Touche pas à mon poste. En mai 2017, après une année compliquée dans le show de Cyril Hanouna, elle avait annoncé son départ. Les mois qui ont suivi ont été très compliqués pour elle, la jeune femme ayant eu beaucoup de mal à retrouver un quotidien sans caméra. Depuis, l'ex-chroniqueuse a évolué et a su trouver des projets qui lui correspondent. Ainsi, dans quelques jours, elle devrait intégrer l'équipe du magazine de la santé, présenté par Marina Carrère dans Cause, sur France 5. Elle sera aussi de retour sur C8 le 24 septembre, mais en tant que voix off d'un documentaire qu'elle a réalisé. En parallèle, elle continue de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, pour évoquer ses projets professionnels mais aussi la maladie qui la touche depuis des années, l'endométriose. Enora Malagré lassée de certains messages reçus sur Instagram ce jeudi 7 septembre, en story Instagram, elle a évoqué sa pathologie. Aujourd'hui il fait très très chaud, c'est très très dur pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est très très dur d'ailleurs pour tous les gens qui ont une maladie chronique. Ça rajoute à la douleur, à la fatigue, a-t-elle expliqué. Une intervention qui a, visiblement, engendré des commentaires très désobligeants de la part de certains internautes. Les amis, je vais vous demander un petit service car vous êtes la meilleure des commus. Je vous fais suivre des profils de mecs qui sont des haters harceleurs misogynes sales types. Oui tout ça à la fois, a écrit Enora Malagré quelques heures plus tard. Et d'expliquer, je compte sur vous pour les signaler ou leur écrire pour leur expliquer calmement la vie. Moi j'ai plus la force. Les propos grossophobes et sexistes que je subis à chaque fois que j'apparais quelque part sur les réseaux vont finir par me péter le cerveau. J'ai besoin de vous là. Je suis un peu fatigué. Merci les amis. Reste à savoir si ces actions seront suffisantes pour mettre fin aux propos malveillants.